Salut, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel opus de C'était quoi déjà, destiné à un jeu sorti en novembre 2007 et développé par Ubisoft Montréal. Donc Assassin's Creed, le premier de la saga, de la série, celui-là qui a lancé toute la légende des Assassin's Creed. Je vous laisse juste le temps de la cinématique. Re tout le monde, donc voilà, Assassin's Creed, le premier du nom. Vous êtes Desmond Miles, qui est barman de sa profession, et vous venez de vous faire, comment dire, enlever par des personnes qui n'ont de cesse en fait d'essayer de vous faire ressasser vos souvenirs. En fait, ces personnes ont inventé une machine qui vous permet de remonter dans votre ADN au niveau des séquences de souvenirs de votre ADN, puisqu'ils auraient trouvé par le pied de cette technologie qui est l'Animus la possibilité d'aller voir les séquences ADN que vous avez et donc de remonter dans les souvenirs de vos ancêtres. Or, ces personnes sont intéressées par les souvenirs d'un de vos aïeux, qui n'est autre que l'assassin ultime qui est Altaïr. De ce fait-là, vous allez remonter souvenir après souvenir pour dire de trouver ce que ces personnes cherchent. Je vous le dirai pas parce que le but n'est pas de spoiler. Mais voilà, vous remontez en fait dans les souvenirs de votre aïeux grâce à l'Animus et on attend de vous à ce que vous retrouviez une chose bien particulière, un souvenir bien particulier. Et de ce fait-là, à voir si vous arriverez à tenir le pari. Ici, actuellement, on est dans la première expérience que vous aurez de l'Animus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Desmond Miles, mais vous jouez Altaïr, votre aïeul. Et le souci, c'est que comme c'est les premières expériences de l'Animus, la synchronisation se fait pas aussi facilement que ça. Moralité, vous allez finir par vous faire expulser de la machine. Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut sortir de là. Vite. Ok, ça devrait plus trop tarder. On va vous ramener parmi nous. Voilà, c'est bon, ça arrive normalement. Voilà. Donc là on est désynchronisé, ça veut dire qu'on a mal géré les choses. Enfin là c'était obligatoire, c'est pour vous montrer justement les débuts. Et on va revenir à la réalité. Et la réalité c'est celle-ci. L'allez bien. Salaud ! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Sauver la vie ? Vous m'avez kidnappé ! Vous m'avez attaché à cette chose ! Un Animus,
Ça s'appelle. Donc je suis désolé, mais des fois je vais devoir parler sur les communications qu'il y a entre les personnages, parce qu'en fait vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de cinématiques dans Assassin's Creed, même si les phases de jeu sont encore plus longues et vraiment impressionnantes. Vous êtes immergé carrément dans des villes, et notamment lors de ce premier opus, vous aurez Damas, vous aurez Jérusalem, enfin vous aurez Chypre, vraiment de superbes lieux, des villes carrément reconstituées, pas comme en vérité, hein, certainement sublimées, mais en tout cas très très bien fait, et à l'époque c'était une véritable révolution. On était sur PS3. Et franchement, c'était le must de tout ce qu'on avait pu voir. De localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Donc, vous êtes emmené malgré vous, donc, à la recherche de votre aïeul et de ses secrets, dans une confrontation qui aurait entre deux sortes de sectes, la secte des assassins et la secte des templiers, qui se battent en fait pour le pouvoir sur l'humanité. C'est pas vraiment vrai. Ça veut dire que les Templiers, eux, cherchent véritablement à prendre le pouvoir et à utiliser le pouvoir à des fins très mercantiles, alors que les assassins, eux, sont plutôt épris de liberté et de justice et cherchent justement à mettre à mal les projets des Templiers pour libérer l'humanité en fait et lui laisser son libre arbitre. Là, comme vous voyez, les différentes séquences ADN, dans lesquelles il y a aussi la mémoire de votre aïeul. Donc, on vous explique un peu comment fonctionne l'animus. C'est la reconstitution d'un événement passé. Et donc, vous allez devoir à un moment... donc, on va pas passer la phase de tutoriel. Je vais la mettre parce que elle vous permet de voir un peu comment se prend en main le personnage. Mais vous inquiétez pas, la vidéo sera assez longue pour que vous puissiez passer un petit peu plus loin, si jamais ça vous intéresse, pour dire de voir le début de l'histoire. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce jeu, ce design, cette façon de faire est un peu vulgarisé. On le voit assez régulièrement. N'oubliez pas qu'à l'époque, ce jeu, on était en 2007, et en 2007, il n'y avait pas beaucoup de jeux qui pouvaient rivaliser avec. Il a vraiment ramené une autre dimension, et Ubisoft avait fait très fort sur ce jeu. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Exprès, je vous spoilerai pas les personnages et tout le reste. Je vais essayer de garder quand même une part de mystère. Le but de la vidéo est vraiment de vous montrer les premières minutes de jeu, enfin la première heure même de jeu, et pour autant de ne pas vous gâcher le jeu. Il est hyper intéressant. Sachez que vous allez alterner des phases où vous ferez le cours de la mission, en fait, le cours de l'histoire. Mais il y aura aussi des phases où vous serez un peu plus libre de pouvoir aller et venir dans la ville et faire des sortes de missions secondaires, des courses, récupérer des drapeaux, récupérer des plumes. Enfin, il y a vraiment de tout, faire des courses avec des personnes, voler ou tuer. Enfin, voilà, il y a vraiment une pléthore de missions. Alors, le souci, c'est que sur la longueur du jeu, vous apercevrez que dans chaque ville c'est à peu près les mêmes objectifs et les mêmes missions que vous aurez sur des parcours différents, sur des personnages différents, avec des gardes différents, mais en gros il y a au bout d'un certain moment une certaine redondance des missions secondaires. Après, la quête principale peut se faire assez vite.
Mais dans un Assassin's Creed, c'est toujours assez simple pour dire de faire votre évolution. Cantonnez-vous à des quartiers et faites d'abord toutes les missions secondaires du quartier, ce qui vous permet de gagner en expérience et en armement. Notamment par le biais de l'argent, vous allez pouvoir vous équiper de façon plus efficace. Ouais, je me permets de parler hein, sur c'est le tutoriel, donc voilà, enfin vous voyez comment ça se passe et comment ça se gère. Donc comme je vous disais, faire les missions secondaires dans un premier temps, histoire de vraiment avoir le maximum d'atouts de votre côté pour par la suite faire suivre la trame de l'histoire. Et logiquement, vous devriez passer tranquillement toute la trame de l'histoire si vous faites toutes les missions secondaires dans un premier temps, puisque ben, vous serez avec un maximum d'expérience et avec un équipement qui sera quand même au top. Bien joué. Donc oui, vous aurez aussi une gestion longue de l'équipement. Que ce soit les armes, que ce soit votre tenue. Enfin voilà, vous avez différentes possibilités. Vous avez différentes armes. Vous apprendrez à les utiliser au fur et à mesure. Là, dans la phase... dans la phase tutoriel, quand vous êtes dans l'animus, vous n'aurez pas... Normalement, vous devez certainement tuer une personne, mais pas plus, quoi. Bah justement, parlons de la personne à tuer, je pense que ça va pas tarder. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cette... Alors là non, c'est pour la pousser. Donc comme vous voyez, il y a vraiment dans l'animation, dans le fait de manipuler les personnes, c'est quand même assez bien fait. Le personnage est fluide, ce qui était quand même pas mal pour l'époque. Je vous rappelle, hein, 2007, c'est, on va dire qu'il y a que 9 ans, mais en 9 ans, il y a eu tellement de chamboulements. Et de façon générale, les Assassin's Creed fonctionnent toujours avec cette même dynamique. Il n'y a que le contexte historique qui change, puisque dans la saga, vous allez remonter, là, vous êtes au plus ancien des assassins que vous pourrez jouer, c'est-à-dire Altaïr. Par la suite, vous aurez Assassin's Creed 2 avec Ezio Auditore. Le 3, c'est avec un indien, un descendant d'indien. Je me rappelle plus de son nom. Vous avez aussi Black Flag avec l'époque des pirates. Ensuite, vous avez la Révolution. La Révolution, la Renaissance, et enfin vous avez celui-là de l'époque victorienne de Assassin's Creed Syndicate, où vous êtes du côté de Londres à l'époque victorienne. Donc vous voyez, vraiment une très très grande série, et je vous compte même pas les add-ons, puisque il y a aussi toutes les licences annexes, notamment des petits jeux faits sur les assassins en Chine, en Russie, il y a vraiment différents... je vous parlais de mort, avec la lame des assassins, une lame rétractable. Voilà, la plupart des missions, de toute façon, ce sera de l'assassinat. Faut être clair, vous êtes vraiment un assassin. Le cadavre a attiré l'attention du soldat. On va se faire repérer. Comment on va les narguer l'autre personne? On va passer en alerte et par la suite, on va monter sur le tour. J'ai bien conscience que c'est pas le plus intéressant du jeu, mais je vous le montre quand même parce que ça vous permet de voir un peu les possibilités et comment en fait sont montrées les bases du jeu, et par la suite vous verrez le jeu par lui-même. Ouais, alors là par contre faut que je me pète devant parce que voilà, tant que je suis pas devant, voilà, il montera pas l'échelle. Allez hop, c'est parti. Donc là on monte, on s'est fait repérer et on va aller se cacher. Sachant que là c'est qu'une des capacités de... Enfin une seule cache en fait. Mais il existe plusieurs moyens de se cacher dans le jeu ou de se fondre parmi la population. Alors... on peut la jouer gros bourrin, mais sincèrement, c'est pas conseillé, et on est plus sur de l'infiltration. On est un peu dans un jeu qui fait, le mix entre Splinter Cell et Lara Croft.
C'est un peu à la fois l'aventurier et l'agent secret, quoi. L'assassin tel qu'on le connaît, Altaïr. Donc voilà. La barre de synchronisation augmente, et avec elle, vos chances de réussite. Donc toujours le système de petites fenêtres avec les missions. De vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la... Donc là voilà les différentes caches, vous pouvez vous mettre sur un banc, ou vous mettre dans un tas de fourrin. Ou alors vous cachez là où on s'était caché, c'est un abri qui se trouve sur les toits, ou alors vous fondre parmi des prêtres ou des religieux pour parce qu'il n'y a pas que des prêtres pour dire de passer inaperçu. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Le but étant de rester le plus longtemps inaperçu, enfin invisible pour dire de frapper plus efficacement. Bien souvent, votre victime doit vous voir qu'à la dernière minute, en fait. Donc là, on passe entre les soldats. Bien. C'est bon. C'est complété. Alors oui, une particularité aussi des assassins, c'est la vision. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle, en fait, ça vous permet de voir des spectres. Les spectres des les auras en fait des personnes, et de savoir dans quel état elles sont par rapport à vous, si elles sont vos cibles ou pas. Enfin, la vision de l'aigle est vraiment très utile, notamment elle vous permet aussi, quand vous montez en haut de certains grands édifices, de pouvoir contempler tout l'environnement et déceler toutes les choses qui peuvent s'y passer, c'est-à-dire toutes les missions, les caches, enfin voilà, vraiment voir tout la totalité d'un quartier, d'un périmètre. Et donc de le faire vôtre, puisque après, par la suite, vous allez justement plus facilement pouvoir vous mouvoir à travers l'environnement et en tirer tout, tous les avantages que vous pourrez en tirer, justement, que ce soit de l'expérience à travers les missions, ou que ce soit la mise en œuvre de vos dessins à travers la mission principale. Le fait d'aller voir des marchands acheter du matériel, ou alors même d'aller voir vos collègues. Bon, je vous laisse le temps de cette cinématique. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui. Il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître, Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie des frères. C'est celle que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Donc voilà, on va toujours alterner comme ça entre des cinématiques et des phases de jeu, sachant que là, ça risque d'être beaucoup de cinématiques, puisqu'on est au tout début du jeu. C'est par la suite qu'on a vraiment une liberté. Donc, vous étonnez pas, je vous quitterai assez régulièrement. Là, on a encore quelqu'un à tuer. Donc voilà, principe de l'assassin, arriver tout doucement, même dans le dos, hein, y a pas question vraiment d'honneur, le tout est de réussir à tuer sa cible sans prendre le plus de risque que ça. Alors, hop, et je vais vous laisser. Je vais vous laisser car il y aura encore une cinématique derrière. Ça devrait pas tarder d'ailleurs. Enfin, si je me prends pas le poteau. Allez, à plus. Là, c'est sûrement cette arche. Quoi? L'arche d'alliance? Ne sois pas ridicule, il n'existe rien de tel. C'est une légende. Alors, qu'est-ce que c'est? Silence! Quelqu'un approche. Il faut franchir cet obstacle avant l'aube. Plus vite nous en aurons fini, plus vite nous ferons route vers Massiaf pour châtier ces renégats.
Robert de Sablé, sa vie m'appartient. Non. Nous devons retrouver le trésor et l'attaquer de Sablé qu'en cas de nécessité. Il nous empêche d'accéder au trésor. La nécessité est réelle. De la discrétion, Altaïr. Ce serait se comporter en lâche. Il est notre pire ennemi. C'est une occasion unique de s'en débarrasser. Tu as déjà bafoué deux des principes de notre credo. Tu t'apprêtes à en bafouer un troisième. Tu mets notre fraternité en danger. Je suis ton supérieur. De par mon titre et mes capacités, tu devrais éviter de t'opposer à moi. Donc voilà, Altaïr a plutôt un caractère assez tempétueux et... Donc en gros, il a tendance à faire un peu ce qu'il veut. C'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un maître assassin. Donc il a l'habitude. Enfin, il a l'habitude du moins de donner des ordres et de mener à bien ses missions. Le problème, c'est qu'il fait un peu l'objet de zèle. Et surtout, il fait fi du credo, ce qui n'est pas pour le plus intéressant. Bon, je vais vous laisser, il y a encore une cinématique. Arrêtez, Templiers! Vous n'êtes pas les seuls que le trésor intéresse. Ah. Voilà pourquoi il nous manque un homme. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non! Arrête! Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille d'en partir tant qu'il le peut encore. Restez, et vous mourrez tous. Donc voilà, on vient de se faire balayer par un Templier, en laissant nos deux collègues à l'intérieur, donc à mon avis, ça va pas durer très longtemps pour eux. Surtout que là, j'étais censé être le personnage le plus fort de la bande. Le problème, c'est que je me suis fait mais laminer. Peut-être un peu trop impétueux sur ce coup-là. Quoi qu'il arrive, je me rappelle plus comment on fait. Si, voilà, faut sauter. Ok. Donc voilà, c'est vraiment de l'évolution. On a l'impression d'être un peu dans un Tomb Raider, dans le sens où faut vraiment faire attention à son environnement. Votre personnage, Altaïr, est un véritable chat. Il grimpe partout. Enfin, c'est vraiment impressionnant de fluidité en plus dans ses mouvements. Mais voilà, donc en gros, ce sera ça la plupart de votre progression. Automatiquement, je vais vous laisser encore un peu. Ouais, non. En fait, je pensais qu'il y avait une cinématique, mais non. Donc, comme je vous disais, donc c'est assez effarant au niveau de la progression. On est vraiment comme dans un Tomb Raider à regarder à droite à gauche, savoir où on peut, par où on peut passer, essayer de trouver les zones qui nous permettent de progresser. Après, c'est à vous de réussir à connaître toutes les subtilités de votre personnage pour le manipuler au mieux, lui faire réussir certains sauts et tout le reste. Altaïr, tu es de retour? Ah ouf. Content de te voir sain et sauf, Dai. J'imagine que ta mission a été couronnée de succès. Le maître est dans sa tour? Oui, plongé dans ses livres comme à son habitude. Sans doute attend-il ta venue. Merci, mon frère. Paix et sérénité, Altaïr. À toi aussi. Donc là, on doit rejoindre le maître. On est dans un village qui est sous la protection des Hachachines. Donc là, il y a une forteresse qui est juste en haut. Vous allez voir, on va y arriver dans pas longtemps. Enfin, si je me plante pas. Non, ça va. C'est par là. Par contre, là, c'est par là. Ouais. Hop. Donc on fait attention de pas trop bousculer du genre non plus parce que ça peut au bout d'un moment nous mettre en porte-à-faux. Ouais. Donc je vous ai dit, hein, c'est un chat, des fois il fait des trucs. Si on fait pas attention vraiment à comment on le manipule, il prend des initiatives, il grimpe à tout. Donc c'est vraiment un chat. Mais en tout cas c'est hyper jouissif quand au bout d'un moment vous récupérez... toutes les capacités de votre personnage, vous savez les utiliser, ça devient vraiment hyper impressionnant. Hop, ben je vous parlais de la forteresse, la voici, à la moute.
la forteresse des assassins. Et donc c'est le quartier général en fait de la secte des assassins. Il va bousculer quelqu'un. Encore quelques marches. Ah, il nous revient enfin. Abbas, où sont les autres? Tu as pris de l'avance pour arriver en premier? Je sais que tu détestes partager les honneurs. On dit que le silence est une forme de consentement. N'as-tu rien de mieux à faire? Je t'apporte un message du maître. Il t'attend dans la bibliothèque. Dépêche-toi. Ta flagornerie va une nouvelle fois pouvoir s'exercer. Un mot de plus, et ma lame tranchera ta gorge. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mon frère. Voilà, donc là, on s'est fait un copain. À mon avis, ça va dégénérer par la suite. Mais quoi qu'il arrive, là, l'objectif principal, c'est d'aller directement voir le chef, notre maître, en fait. Le maître t'attend à qui doit se trouver. Voilà, vous voyez, si on négocie mal le virage, la tendance à monter sur tout ce qui peut, grimper sur tout ce qui peut. Hop, donc il devrait être par ici. Altaïr. Maître. Avance. Fais-moi le récit de ta mission. Le trésor des Templiers est-il enfin lié? Il y a eu des imprévus, maître. Robert de Sablé n'était pas seul. L'imprévu fait partie de notre travail. C'est notre capacité à nous adapter qui fait de nous ce que nous sommes. Cette fois, cela n'a pas suffi. Que veux-tu dire? J'ai échoué, maître. Le trésor? Je ne l'ai pas. Et de Sablé? Il s'est échappé. Je t'ai envoyé, toi, le meilleur de mes hommes, accomplir une mission d'une importance capitale plus que tout autre. Et tout ce que tu me rapportes, ce sont de piètres excuses. Oui. Tais-toi! Ne dis plus un mot. Je m'attendais à mieux. Je vais devoir envoyer d'autres hommes. Je vous jure que je le retrouverai. J'y retourne. Non! Tu resteras ici. Tu en as déjà assez fait. Où sont Malik et Kadar? Morts. Non! Pas tout à fait. Malik. Je suis toujours en vie. Et ton frère? Il n'est plus. Par ta faute! De Sablé m'a forcé à partir. Je ne pouvais pas revenir, je n'ai rien pu faire. Parce que tu as ignoré mes mises en garde! Nous aurions pu éviter cela! Et mon frère... mon frère serait encore en vie. Ton arrogance a failli nous priver de la victoire. Failli? Voilà ce que votre protégé aurait dû vous apporter. Tenez. Prenez-le. Mais j'ai bien peur que ce trésor ne nous cause de nouveaux ennuis. Maître, nous sommes attaqués. Robert de Sablé fait le siège du village de Massiaf. Cherche donc l'affrontement. Très bien. Ne le décevons pas. Va, avertis les autres. Ils préparent la forteresse. Quant à toi, Altaïr. Nous poursuivrons cette discussion plus tard. Dirige-toi vers le village. Élimine les envahisseurs. Chasse-les de notre terre. Ce sera fait. Ok, donc voilà. Là, on a vraiment tout loupé. On s'est pas vraiment montré à son avantage. Donc, pas mal de choses encore à apprendre malgré le fait d'être un maître. Quoi qu'il arrive, là, on doit repousser donc les ennemis qui ont suivi cette espèce d'artefacts, sachant que les Assassin's Creed, bien souvent, il y a différentes histoires qui s'entremêlent. Vous avez présentement là, enfin non, vous avez dans un premier temps l'histoire de Desmond Miles qui est dans la réalité, la personne qui est dans, quand je vous disais que c'est un chat, qui est dans l'Animus. Vous avez une deuxième histoire qui se présente à vous, c'est celle de Altaïr présentement, et dans chaque opus vous avez un assassin différent, du moins selon les saisons. Et en fait, troisième chose, vous avez aussi l'histoire du combat entre les assassins et les Templiers, pour notamment, bien souvent, c'est comment les assassins essayent de contrecarrer les plans des Templiers, et comment les Templiers cherchent certains
Altaïr, contente. Je vous laisse le temps. Nous avons besoin de toi. Que s'est-il passé? Les Templiers. Ils ont attaqué le village. La plupart des habitants ont pu s'enfuir. La plupart. Mais pas tous. Que veux-tu que je fasse? Fais diversion. Occupe les Templiers pendant que j'évacue ceux qui sont pris au piège. Compte sur moi. Donc comme je vous disais, les Templiers qui recherchent le pouvoir de certains artefacts, sachant que ces artefacts ont eux-mêmes une histoire et en les recherchant, bien souvent les assassins vont en apprendre beaucoup plus sur certaines choses, notamment au niveau des divinités humaines ou même de ce qu'on pourrait... Enfin, il y a des histoires vraiment très très particulières et très très prenantes. Je vais pas vous spoiler plus que ça. En tout cas, ce jeu est vraiment intéressant parce que c'est un méli-mélo de différentes histoires, que ce soit de celle de Desmond, celle d'Altaïr ici présent, ou celle des deux confréries ou des deux sectes, tout dépend comment vous les concevez, ou alors même les informations qui peuvent être récupérées par le biais des artefacts. C'est vraiment un méli-mélo de différents scénarios et c'est vraiment intéressant. Alors excusez-moi d'avance hein, parce que j'ai plus de pratique du tout, donc je vais certainement me faire laminer, mais faut savoir que c'est hyper dur de réussir à manier au tout début les armes. D'autant plus que quand on passe d'un opus à l'autre, les touches changent. Et donc c'est jamais vraiment la même touche à utiliser, ce qui est quand même assez perturbant parce que au moment où on commence à prendre ses automatismes, Ubisoft a quand même la fâcheuse tendance à changer les choses, alors qu'en gros je vois pas l'intérêt en fait de changer l'attribution des touches. Mais, quoi qu'il arrive, là ça va, je m'en sors encore pas trop mal, mais c'est pas gagné. J'arrive pas à faire de contre parce que en fait là je frappe jusqu'à temps de réussir à toucher, mais logiquement un assassin ne devrait pas avoir à frapper, il devrait simplement se contenter d'esquiver et de contre-attaquer. Le souci c'est que je ne sais plus comment faire pour dire de contre-attaquer, et donc je suis en train de me faire la mineur, évidemment. Bon, bah, je vais prendre la technique de bourrin qui est tu frappes le plus fort possible. Voilà, ça c'est fait. Y'en a plus? Non, y'en a plus. Mais c'est vraiment... De toute façon, quand vous arrivez à le faire, contre-attaquer, c'est des cinématiques en fait qui se mettent en place, où vous voyez des coups spéciaux en fait arriver. Donc là, il devrait en avoir un qui va pas tarder. Là-bas, il y en a un. Bah, il y en a un qui m'arrive dessus. J'ai pas le temps de dégainer, évidemment. Bon, je pense que je vais mourir. Ah bah voilà, vous voyez ça par exemple, c'est une cinématique. Quand vous arrivez à contre-carrer une attaque. Hop voilà, là c'est bon aussi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Hop. Oh, non mais non, j'arrive pas. Ah si. Ouais, enfin, une fois sur deux, j'arrive à contrer, mais bon. C'est un jeu où il faut s'entraîner assez régulièrement. Je vais me faire... Bon, je pense que là, de toute façon, il me reste plus que deux trucs. Je vais me faire éclater. Ah bah non, c'est bon, je l'ai eu. Donc, impressionnant aussi dans les cinématiques de... Enfin, c'est violent. Hein. C'est clair et net que faut avoir un certain âge quand même pour y jouer. Parce que là, automatiquement, vous voyez, c'est sans concession. Je pense qu'en dessous de 10 ans, c'est vraiment pas le jeu à conseiller, quoi. Si des parents écoutent, ne laissez pas vos enfants jouer avec ce type de jeu s'ils ont moins de 10 ans. Ou 10 ans. Même moins de 13 ans, je pense que c'est pas possible. Il y a d'autres jeux qui se prêtent plus à des enfants de moins de 13 ans. Ok, hop, vous voyez, ça c'est aussi une des cinématiques. Alors évidemment, je n'arrive plus à le faire, je vais le faire. Non, c'est bon. Hop. Bon, alors les cinématiques reviennent, hein. Il y a que quelques coups hein, qui. Il doit avoir 2-3 coups particuliers comme ça, mais c'est tout. Hop, on va s'occuper de celui-là là. Ça évitera qu'il nous arrive dans le dos. Et puis en plus, il s'y attendait pas, donc facilement tuable. Alors, le mieux pour assassiner vos victimes, c'est de prendre un lieu haut et de leur tomber dessus avec la lame rétractable. C'est un des classiques.
Oh, ils ont réussi à la tenir. Hop, ça c'est fait. Est-ce qu'il y en a encore? On va aller voir en bas. C'est un champ de bataille. Cessez le combat et retournez à Bastia. D'accord, bon, bah, il va falloir qu'on se... Donc vous voyez, c'est vraiment plein d'assassins. Avance rapide vers une séquence plus récente. Et ça, c'est une petite ville. Hein. Ça n'a rien à voir avec Damas ou Chypre. Ou... Allez, on va essayer de retrouver le maître. Altaïr, viens. Al-Mualim a encore du travail pour nous. Où allons-nous? Là-haut. Nous réservons une petite surprise à nos invités. Suis-moi. Tu ne vas pas tarder à comprendre. Ok, on a été interpellé. Je pensais qu'on devait aller voir le maître, mais non. On va revoir la personne qui nous avait missionné. On va le suivre. Il va finir par se blesser. Ce qui est pas mal aussi, c'est ces interactions que vous pouvez avoir avec les gens. Bien souvent, vous prenez des réflexions. Ou alors, quand vous bousculez quelqu'un, vous voyez qu'il est en colère. Enfin, il y a pas mal de réactions et cette interaction avec... Bon, je vous laisse là pendant la cinématique parce qu'elle est simple. Tu n'as aucun droit sur ce trésor. Retire-toi, renonce avant que tes rangs ne soient décimés. Tu joues un jeu dangereux. Ce n'est pas un jeu, je te l'assure. Tu l'auras voulu. Amenez l'otage. Ton village est en ruine et les vivres viendront bientôt à manquer. Combien de temps ta forteresse résistera-t-elle? Penses-tu que tes hommes continueront d'obéir quand tes puits seront à sec et qu'ils mourront de faim? Ils ne craignent pas la mort. Ils l'appellent de leur vœu. Elle est leur récompense. Parfait! Ils vont la côtoyer de très près. Suis-moi et ne te pose pas de questions. Montrez à ce chevalier que vous ne connaissez pas la peur! Dieu vous appelle! Ma jambe! Ma jambe! Silence! Les Templiers vont nous entendre! Je vais rester avec lui. Tu vas devoir continuer sans nous. Ces cordes te mèneront au piège que nous avons tendu. Déclenche-le. Que la mort s'abatte sur nos ennemis. Ok. Donc voilà, là, on a fait le saut de la foi. C'est ce qu'on appelle un saut de la foi. Donc c'est de sauter d'une très très haute hauteur, enfin de très haut, quoi. De se réceptionner dans une botte de foin. Ouf, alors là, celle-là, elle aurait été belle. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Je vais essayer de remonter. J'ai pas intérêt à me tromper dans les touches. C'est bon, j'ai rattrapé. Et on va essayer d'y aller un peu plus safe. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et donc là, pareil, il va falloir grimper. Donc, ouais, hyper intéressant. Je sais pas si ça vous intéressera. Peut-être que vous connaissez déjà à ce moment-là. Ça vous fait une petite séance nostalgie. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment un jeu qu'il faut connaître. Parce que c'est vraiment une référence. Ou du moins, ça l'est devenu. Alors après, qu'est-ce que j'aurais à reprocher au niveau de Assassin's Creed? La difficulté, en fait. Si vous regardez bien... tout est mâché en fait. Vous n'avez pas à chercher, vous avez un radar sur le côté qui vous donne toutes les indications. Et donc, même si vous vous trompez, vous avez toujours moyen de rattraper en regardant au niveau de votre carte et tout le reste, de savoir. Hop là, on va libérer Eronda. Voilà, donc, on va mettre en déroute l'armée adverse. Je vous laisse le temps de la cinématique. Tu as réussi à repousser Robert de Sablé. Ses forces sont décimées. Il ne portera pas de nouvelle attaque avant longtemps. Dis-moi, connais-tu la raison de ton succès? Tu as écouté la voix de la raison. Si tu avais fait de même dans le temple de Salomon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. J'ai fait ce qu'on m'avait demandé. Non, tu as désobéi. Malik m'a dit que tu avais fait preuve d'arrogance, que tu avais ignoré nos préceptes.
Que faites-vous? Il y a des règles. Si nous ne respectons pas le credo des Hachishiyun, nous ne sommes rien. Ces trois règles de base, tu sembles les avoir oubliées. Je vais te les rappeler. La plus importante, ton épée ne versera pas... le sang d'un innocent. Je sais tout cela. Tu ne parleras que quand je t'en donnerai l'ordre, est-ce clair? Si tu connaissais ce précepte, pourquoi avoir tué ce vieil homme dans le temple? Il était innocent. Sa mort n'a servi à rien. Il n'y a donc aucune limite à ton insolence. Fais preuve d'humilité, mon garçon, ou je jure que je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Notre second précepte est celui qui nous confère toute notre force. Montre-toi, mais reste invisible. Mêle-toi à la foule et ne fais plus qu'un avec elle. L'aurais-tu oublié? On m'a dit que tu avais volontairement choisi d'attirer l'attention de l'ennemi avant de le frapper. Troisième et dernier précepte, le renier serait la pire des trahisons. Jamais tu ne mettras la fraternité en danger. C'est pourtant clair. Tes actes ne doivent pas constituer une menace pour nous directement ou indirectement. Ce que tu as fait à Jérusalem a failli causer notre perte. Pire, tu as conduit l'ennemi jusqu'à nous. Si des hommes sont morts aujourd'hui, c'est par ta faute. Je suis désolé, vraiment désolé. Mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Ok, donc là on revient dans le présent. C'est-à-dire qu'on va revenir sur Desmond et ses interactions avec les chercheurs qui l'ont kidnappé en fait. Il a une capacité d'adaptation supérieure à celle de tous les autres sujets. Je dois le ramener. Ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans. Non, attendez. Nous sommes bien loin d'en avoir terminé. Ce serait trop risqué. Allons, disons encore une heure ou deux. Discutons-en dans la salle de conférence. Desmond en profitera pour se dégourdir les jambes. Je n'en vois vraiment pas l'utilité. Warren, je vous en prie. D'accord. Donc voilà, là on est revenu donc à l'époque moderne avec Desmond qui est pris en otage pour les capacités qu'il aurait à pouvoir retrouver les souvenirs de son ancêtre Altaïr. Altaïr qui a quand même bien merdé, on va dire hein, clairement, sur sa mission et sur la sécurité en fait de la cité d'Alamut. Donc là, je vous laisse le temps de la conversation. Cette façon d'agir porte un nom. C'est de l'insubordination. Et moi, je n'apprécie pas du tout que vous preniez le risque de le tuer, alors que notre travail n'est pas terminé. Ça aussi, ça porte un nom. C'est de la folie. Lucie, je n'ai pas le choix. Ce n'est pas moi qui ai fixé le calendrier. Et je ne suis pas assez fou pour leur tenir tête. Voulez-vous finir comme Leila? Depuis l'accident, on est tous un peu cran. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Si vous le brusquez, il va se renfermer sur lui-même et nous n'en tirerons rien. Nous n'en tirerons déjà rien. Mais nous y arriverons. Vous devez me faire confiance. D'accord. Mais je compte sur vous pour trouver un moyen de le stabiliser. Nous n'allons pas tout arrêter chaque fois que ce crétin transpire un peu. Déjà qu'on va devoir recharger tous ses souvenirs sans intérêt. Je ferai de mon mieux. Voilà, on a entendu ce qu'on avait à entendre. Donc comme je vous disais, oui, Altaïr est en très mauvaise posture puisque il y a de grandes chances qu'il soit mort. Du moins son erreur lui aura coûté la vie. C'est un peu le credo des assassins, c'est qu'on fait pas dans la dentelle. Automatiquement là je vais essayer d'aller voir les deux compères qui viennent de se. Un peu de se remettre les choses au clair, on va dire. C'est terminé pour aujourd'hui, monsieur Miles. Okay. Vous devriez aller dans votre chambre et vous reposer un peu. On n'a plus qu'à aller dormir pour faire passer ça au plus vite. J'essaye de faire passer au plus vite pour que vous envoyez un maximum, si jamais ça peut vous intéresser. Enfin, voilà. Donc...
C'est pas vrai, ils ont verrouillé la porte. Et donc voilà, on se retrouve en tant que Desmond pris au piège de toutes ces conspirations, de toute cette histoire, de tous ces secrets sur fond historique. Vous fâchez pas, mais c'est un peu flippant de vous voir au moment d'ouvrir les yeux. Vous m'épiez pendant mon sommeil. Nous vous surveillons en permanence. Allez debout, nous avons du pain sur la planche. Je me demande qui je vais tuer aujourd'hui. Ne soyez pas si désinvolte. Vos ancêtres défendaient des valeurs quasi respectables, Monsieur Miles. Si la mort de quelques hommes malveillants pouvait sauver des milliers de vies, ils considéraient que ce sacrifice en valait la peine. Quasi respectable ? Ils ne sont pas allés assez loin. La corruption n'est pas différente d'un cancer. Si vous retirez une tumeur sans en traiter la cause, vous ne faites que retarder l'échéance. Disons qu'une approche systémique est nécessaire si l'on veut changer les choses. La chimio pour les masses. L'éducation. La rééducation, pour être précis. Mais rien n'est facile. Et parfois, ça ne prend pas. Laissez-moi deviner. Vous, vous avez une meilleure solution, pas vrai? Allez, crachez le morceau. Ce serait trahir un secret. Ok, donc là, on va repartir dans l'animus. Ouais, j'essaye d'accélérer un peu les choses pour vous montrer un maximum. Évidemment, on est très très loin de la totalité du scénario. Hein. Ça peut durer. La vie de ce jeu est carrément illimitée, quoi. Quasiment même illimitée. Donc voilà. Je vous montre un peu les options quand même. Hop, donc voilà. Vous avez le général, notamment volume bruitage, et ça m'intéresse parce que je voudrais enlever les musiques avant de me faire éclater par YouTube. Qui finissent par me mettre des droits d'auteur. Allons-y, monsieur Miles, le temps presse. Bon, le sang, on va le laisser, volume, c'est bon. Non, mais c'est bon. Ça devrait passer, enfin j'espère, on verra bien. Sinon, j'aurais plus qu'à enlever et à remettre la vidéo, mais bon. J'espère que ce sera pas le cas. Ok. Donc là, on doit être bon. Auriez-vous oublié comment fonctionne l'animus? Choisissez un souvenir dans le menu face à vous, qu'on puisse commencer. Bon allez, on va essayer de sélectionner la séquence suivante. Temple de Salomon, on l'a fait. Séquence mémoire 2. Allez, c'est parti. On va se réémerger dans la vie d'Altaïr. Utilisez la vie action pour obtenir des informations sur votre. Ouais, alors pas mal de phases transitoires aussi. Ça faut prendre l'habitude entre les différentes cinématiques et les phases transitoires. Il y a quand même aussi quelques délais d'attente. Mais bon. Vu la prouesse technologique que c'était à l'époque. Mais vous m'avez poignardé. J'ai senti la mort m'emporter. Tu as vu ce que je voulais que tu vois. Et tu as été plongé dans une léthargie proche de la mort. Pour qu'à ton réveil, tu sortes du néant et vives à nouveau. Dans quel but? Te souviens-tu, Altaïr, pourquoi les Hachichiyun se battent? Pour la paix, en toute chose. Oui, en toute chose. Il ne s'agit pas seulement de mettre fin aux violences entre les hommes, mais aussi de trouver la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qu'on dit. C'est ce qui est! Mais toi, mon fils, tu n'as pas trouvé la paix intérieure. Ton arrogance et ta vanité en sont des témoins évidents. Pourtant, n'est-ce pas vous qui disiez que rien n'est vrai et que tout est permis? Tu ne comprends pas le sens de cette phrase, mon enfant. Cela ne t'autorise pas à te comporter comme tu l'entends. Nous parlons d'un savoir qui doit guider tes sens et d'une sagesse qui te fait encore défaut. Alors, que vais-je devenir? Je devrais te tuer pour tout le mal que tu nous as fait. Malik ne me contredirait pas. Ta vie en échange de celle de son frère. Mais ce serait du temps perdu, tu vaux mieux que cela. Comme tu le remarqueras bientôt, tes biens t'ont été enlevés et tu as été déchu de ton rang. Tu es redevenu un novice, un enfant, comme le jour où tu as rejoint notre ordre.
je t'offre une chance de te racheter. De te battre pour réintégrer la fraternité. Et qu'avez-vous prévu exactement? Pour commencer, prouve-moi que tu n'as pas oublié ce qu'est la fraternité. Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi. C'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Ok, donc Altaïr n'est pas mort, bien loin de là, mais par contre il est en disgrâce totale. Et donc ne tient qu'à vous de réussir à lui donner l'occasion de redorer son blason. Et notamment, ce sera l'occasion de pouvoir le faire à travers les 9 missions et les 9 personnes qu'il aura assassinées durant ce premier opus. Donc voilà, c'était ma présentation d'Assassin's Creed premier du nom. Jeu Ubisoft Montréal, sorti en 2007. Moi je vous dis de gros bisous et amusez-vous bien.